Nous sommes. Enfin, je suis. Le lundi. Lundi. 15 mars de l'année 2021. Ah. Vivement, lundi, on retrouve tous ses amis. On pleure, on rit. La la la. Et c'est bientôt mon anniversaire. Ah, ah, je vais avoir le 4 avril. Vous connaissez. Philippe Stocker, je suis né le 4 avril 1962. C'était un mercredi, le jour du canard. Quoi, quoi, quoi. Je suis. Les imbéciles parlent très bien d'eux. Et à ce titre, c'est vécu, hein. Alors, un con. Mais alors, il n'y en a pas deux. Des conneries. Et bien entendu, j'invite U89, les chaînes de radio et tout ça. J'ai tellement de choses à raconter. Tu es locataire du RSA. Et en pleine santé, physique et mentale. Je tenais à le préciser. Puisque le 3 juillet 2015, un docteur qui s'appelle Olivier Gosselin, qui exerçait rue Oberlin, ça rime, a établi en ce qui me concerne un document. Donc, je fais une vidéo parce que, comme je raconte toujours la même histoire, l'autre jour, il y a. Tribunal de grande instance de Strasbourg qui m'a appelé. Et puis quand j'appelle l'ordre des avocats à Strasbourg, donc c'est toujours des personnes qui refusent de décliner leur identité. Donc, je crois qu'elles sont fonctionnaires et qu'à ce titre elles sont tenues de livrer leur identité. Mais vous savez, aujourd'hui, qui dans ce pays respecte encore la loi, c'est des petits, c'est un petit, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fabrice Luchini, du tribunal de Cahors, il dit, a condamné un SDF parce qu'il voulait des pâtes. Des pâtes, oui, mais les pommes d'agneau. Alors j'ai un briquet à vendre, FKK Lonslow, et j'ai fait du cigare. Pum, c'est les best. Ça bête pour planquer les sous à la mode, à la mode. Au Bahamas, qu'est-ce qu'on se ramasse? Au Commodore, allez-y, c'est encore. Alors, j'invite, vous savez, j'ai énormément d'amis. Les banksters, les psychiatres et le gouvernement. D'ailleurs, là, je reçois des textos dans ce moment de EDF, Bleu Ciel, de Bouygues Télécom. Monsieur Bouygues, j'aurai des difficultés à payer mon abonnement pour le 06 35 17 65 33, puisque j'ai un employeur qui ne m'a toujours pas payé et que il y a la preuve matérielle. Que j'ai donné le lundi 16 novembre à la brigade de gendarmerie de Benfeld. Ils ont la preuve matérielle donc que ce monsieur m'a établi un faux contrat de travail et il y a de quoi perdre son latin. Et je vais vous raconter la suite peut-être mardi. Mais oui, un coucou à Stéphanie Smith, coach de Star, qui m'a coaché.
en 2016. Dans les locaux du Delta Bleu à Strasbourg, route de Colmar. Ah, Pierre Malin. Canopé, à Lyon. Charles Bailly. Ah, Charles Bailly qui m'avait expliqué le fonctionnement de l'inconscient. Comment que l'inconscient ne gère pas les interdits. Avec la belle girafe dont il est interdit de s'imaginer qu'elle a un chapeau de paille sur la tête. Savez-vous planquer vos sous aux Bahamas? Ah, un coucou. Élise Van Bellen, directrice de Anticor.org, et Jean-Louis Cacomo, et je suis le webmaster de googleiswatchingyou.com. I'm aboard, I'm Philippe Stock aboard, webmaster from googleiswatchingyou.com, end of